Salut à tous, c'est Sasuix. Aujourd'hui, on se retrouve sur GTA 5 Online à 9.50 pour une toute nouvelle tenue modée 5 codages. Donc, vous ne perdez aucune tenue. Sur le personnage masculin, bien sûr. Donc, du coup, pour commencer, vous devrez avoir donc le jogger noir avec les chevilles invisibles. Je vous mettrai en description le lien de la vidéo qui vous explique et qui vous montre comment l'avoir. Et pour ceux qui connaissent déjà la manip, je vous mettrai directement le lien de la liste à télécharger. Pour avoir le jogger. Donc c'est cette tenue-là qu'on va faire. Donc une fois que vous aurez donc le jogger noir avec les chevilles invisibles, vous allez vous rendre dans un magasin de vêtements, celui que vous voulez, aucune importance. Vous vous rendez dans les baskets, et dans les baskets, vous mettez les baskets montantes glace 25 sur 37. Une famise, vous allez vous rendre dans les hauts, dans la catégorie des par-dessus, et vous mettez le parka ouverte. Bleu vert 40 sur 65. Ensuite, toujours dans les hauts, vous vous rendez dans les t-shirts et vous mettez le t-shirt anthracite 66 sur 82. Si votre par-dessus n'est pas ouvert, vous allez ouvrir votre menu interaction, aller dans style tout en bas et vous mettez ouvert dans veste. Ensuite, d'accessoires, dans les gants, vous mettez les tactiques noires 64 sur 64. Ensuite, dans les cravates, vous allez mettre le nœud papillon noir sexy 2 sur 69. Une famille, vous allez de nouveau ouvrir votre menu interaction, aller dans style parachute et vous mettez avec. Et un sac, vous mettez donc le sac harnais combat noir, celui que je porte actuellement. Donc vous le mettez, une fois cela fait, vous allez sauvegarder la tenue à l'emplacement que vous voulez. Et donc une fois l'avoir sauvegardé, vous allez vous rendre dans les lunettes. Donc moi j'ai changé de magasin. Parce qu'en fait, j'avais complètement oublié les lunettes, donc du coup, j'ai coupé, voilà. Bref, donc là, vous vous rendez dans les lunettes, toujours dans un magasin de vêtements. Donc là, j'enlève juste vite fait mon masque pour vous montrer les lunettes. Donc là, vous allez dans les lunettes de sport, et vous mettez les lunettes hors-la-loi, noires, 13 sur 37. Une fois les avoir mises, on va aller maintenant au magasin des masques. Donc, une fois que vous serez au magasin des masques, vous allez vous rendre, bien évidemment, dans les masques, ce qui est un peu logique, dans la catégorie des braquages du Diamond Casino, et vous allez mettre le même que moi, donc c'est-à-dire le tour de cou noir 96 sur 104. Une famille, vous allez vous rendre juste à côté de l'échappement, toujours dans la catégorie du braquage du Diamond Casino, et vous mettez la casquette gris clair A 51 sur 59. Vous la mettez et une famille. Vous pouvez sauvegarder la tenue à l'emplacement que vous voulez et la tenue est terminée. Donc sur ce, moi maintenant je vous laisse là-dessus. J'espère que cette vidéo t'aura plu et t'aura aidé. C'était Sifix. Salut tout le monde. Peace!